Les endives, c'est comme des super pouvoirs pour bébé. C'est gorgé de vitamines, de potassium et de calcium. Allez, on va commencer par les endives et on va enlever la base et le cœur. Amer et ça, on aime pas très bien. On enlève aussi un petit peu les frisottis, ça ramène aussi un petit peu d'amertume. Je les verse dans 200 ml d'eau et on va ajouter du basilic, un petit peu de thym, du romarin et un peu de jus de citron. Le thym, le basilic, le romarin avec le jus de citron et les endives, ça va être juste parfait. Et on plonge un bon riz de Camargue dans de l'eau bouillante. On coupe environ 10 g de cabillaud pour bébé et on vérifie surtout qu'il n'y a pas d'arête. Puis on le plonge dans de l'eau avec un démarrage à froid. Je vais retirer un tout petit peu de bouillon, de légumes et je vais ajouter mon riz avant de le mixer. À présent, je récupère mon cabillaud qui est bien cuit. Je le mets dans notre bouillon de légumes et j'y ajoute un petit peu d'huile d'olive. N'oubliez pas que le poisson, c'est très important dans la diversification alimentaire de bébé parce qu'il y a des oméga 3, il y a des minéraux et surtout plein de force pour la croissance de bébé. Waouh, là, elle est bien lisse. Et maintenant, là, ce dressage. Ça sent trop bon là.